Mahaha YouTube Greux. C'est Sean Kazma YouTube, j'espère que tu as bien en back, messieurs dames, de retour aujourd'hui pour l'épisode 2 de notre aventure incroyable, effroyable. On veut du vase! Du vase et de la divinité. On veut du sang, des larmes, de la sueur et d'autres liquides étranges et bizarres. Peut-être à venir dans cette aventure incroyable qu'est God of War 2. Aujourd'hui, nouveau jour pour nous, YouTube. Et pour Twitch, mais Twitch est déjà au courant. On est sur une nouvelle session toute fraîche, donc on n'est pas dans la dynamique de l'épisode 1, qu'on a tourné il y a quelques jours maintenant, et qui était un épisode compliqué, si tu veux. Un épisode à base de gourmandise à foison. On a récupéré nos quelques premières capacités, en vérité juste une, je crois, qui est l'arc de Typhon. On a tout perdu, je suis plus un dieu, donc c'est catastrophique. Et on parle ici de voyage dans le temps. What the fuck, on va revenir en arrière apparemment et tenter de vaincre Zeus au moment où il nous a tués et où il s'est débarrassé de nous comme une vieille chaussette. On aura du vase les Kazma, ne vous inquiétez pas, je pense que le jeu va nous régaler juste pour ça. Messieurs dames, on est parti. J'espère qu'on va choper moi tous les yeux de Gorgone, les plumes de Phénix et qu'on va comme toujours pouvoir faire au mieux. Je rappelle qu'on a plus les lames du chaos, hein, et que maintenant c'est l'âme d'Athéna qui nous sert d'arme principale. Ça me perturbe d'ailleurs. Je pense qu'à un moment le scénario va retourner sa veste et te dire non, non, tu es le mal à l'état pur, tu es le dieu de la guerre, tu es la puissance, tu es la destruction, tu es le massacre, tu es le chaos. Normalement pour moi les lames du chaos elles vont revenir à un moment ou à un autre scénaristiquement. Alors, le fléau de Typhon. 2500 balles, ça coûte cher hein. Ça coûte cher, ça coûte cher. Je pense pas que ce sera le pouvoir que je vais améliorer en principal. En vrai, il est pratique, mais en termes de puissance pure, si tu veux, c'est pas exactement ça qu'on veut, quoi. Il y a du nouveau, hein. Donc le Thunder Spartiate n'existe plus. Maintenant, c'est la rage Etchebestiale. Et let's go, trois plumes de phénix. Et on était à la recherche des trois sorcières de la Providence. Passé, présent et futur. Vous savez, c'est les mêmes sorcières qu'il y avait dans Hercule, on en avait parlé la dernière fois. Celles qui se battent pour leur œil. Et je sais pas trop ce que ça va là en fait. Est-ce que ça va être des boss? Est-ce que ça va juste être des personnages qu'il va falloir que j'aide dans des quêtes? Je sais pas. Mais apparemment, cet endroit pue la daube. Donc on va vouloir me chier dessus à tout instant. Oula. Cassez-vous. J'étais en train de lire le chat. Putain, c'est le retour des faunes. C'est le retour des faunes. Ah attends, on avait une nouvelle technique que j'aimais bien. Ah ça là. Ah là. C'est rigolo ça. L'attaque du sashimi. Du sashimi grec pardon. Non. Génial cette technique. Ah elle me régale cette technique. Nique toi. Par contre il va falloir qu'on ait les bons réflexes parce que vu que j'ai pas encore beaucoup joué, étant donné qu'on a fait que l'épisode 1, au niveau des combos, c'est un peu la même sans être exactement la même. C'est genre, il y a des techniques qu'on retrouve mais qui sont plus à la même place sur les touches. Nya. Donc les bons réflexes sont encore à venir. Et ça par contre j'aime bien. Mais la rage est chez Bestial, à la différence du Thunder Spartiate, c'est qu'on peut la lâcher un peu quand on veut. Et surtout, elle se recharge rapidement mon gars. Bah bah bah. Je pense... Mais ça va faire de belles choses. Chassos. On est bon? Bien. Ils m'ont sucré ma vie encore. C'est le découpage de sushi. Ouais, mais à la grecque. À la grecque. Après tu mets tout ça dans un sandwich et tu fourres. Et tu répètes un peu l'opération avec de la viande d'agneau. Et tu inventes le kebab. Puis plus tard on s'est dit que les sushis en plus c'était pas ouf. Du coup on les a retirés. Pourquoi y a des chiens? Pourquoi y a des chiens? Oh non. C'est pas des cerbères, hein. C'est pas des cerbères. Non, je pense pas. Ça a juste l'air des loups. Ah, on se rappelle des cerbères hein, dans le premier jeu. Merci. Mais non, merci. Oula. Même bien un coup. Salaud. Ça. L'eau. Oh, le boutage. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Oh là là, ils sont nombreux. Ah là 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 là. La reprise de Zizou. Oula. C'est pas Zizou ça. Ah non, Zizou il faisait pas ça sur le terrain. Pourtant, non, non, j'étais né en 98, ça il visait pas. Ah non, ah non, je. Non. Non, non. Ok. On est bien. On est bien. Oh mon dieu.
J'ai pas la phobie des chiens dans la vraie vie, hein. Mais si tu veux, dans le jeu vidéo, avec les quelques expériences que j'ai, que ça soit God of War ici, avec le 1 notamment, puis le 2 là maintenant, et Resident Evil. Si tu veux, les chiens en général, bon. Ah, il y avait Assassin's Creed 3 aussi. Vous savez, quand il y avait les chiens de sécurité qui te repéraient n'importe où, n'importe quand. Oh, attends, c'est stylé ça. Il y a des chevaux géants derrière. Mais c'est incroyable cet endroit. Pour les fans de mythologie grecque ou les personnes qui s'y connaissent en termes de lore de God of War, on est où là? On est où exactement? Parce que j'ai pas trop suivi. Parce qu'à part être un lieu très très dangereux, je sais pas trop. On est sur l'île de Zo, pour ceux qui ont la ref. C'est pour ça qu'il y a un cheval qui tire l'île derrière. C'est stylé, c'est très stylé. Le menu du jour, un grec à la viande de méchant accompagné d'un yaourt à la grecque. Et pour les habitués, un vase de... Un vase de gnôle! Un vase de vin! Un vase d'alcool. Ils buvaient quoi les grecs? Du vin, hein. Je crois qu'ils devaient boire du vin. Maintenez R1 pour saisir une manivelle. D'accord. C'était pas mal ce qu'ils avaient fait dans le premier jeu avec les énigmes, hein. S'ils retentent la même expérience mais avec d'autres trucs, en vrai, pourquoi pas? Ça marchera pas. Non, ça marchera pas. Comment on va faire? Comment on va faire? Attends. Quelque chose me dit que je suis censé ramener un objet. Un objet genre pour faire du poids sur l'interrupteur au sol. Pour moi, c'est Splinter Cell avec les yinches. Il y a des yinches dans Splinter Cell? Oui, en même temps, ça m'étonne pas tant que ça. Est-ce qu'on peut prendre ces vases? Excuse-moi, tu es un beau vase. Je souhaiterais te prendre pour ma collection. Tu n'es pas divin. Donc tu ne goûteras pas à mon fruit défendu, mais quand même. Tu peux peut-être m'aider. Y a pas un truc que je peux récupérer? Il me manque quelque chose. Je suis sûr qu'il y a un objet que je peux ramener en bas. Attends. En fait, Kratos, il peut pas passer dans le trou de la porte. Ah, le trou là, là. Faut croire que non. Faut croire que je suis une brique. Pas capable d'être agile pour un sou. Je sais pas comment faire. En gros, sur une île où il y a les sœurs du passé, du futur et du présent, tu dois les tuer. Non, mais ça, j'ai compris, ça. Ça, je l'ai compris. C'est pas ça, ma question. J'ai demandé c'était quoi le nom de l'île. Si c'est bien une île. Ça a l'air d'être une île quand même, hein. Il y a de la végétation, il y a un volcan là-bas. Si tu veux, ça y ressemble, mais je pense pas qu'on est à Hawaï en fait. On a un problème. On a un problème. Parce que cette porte-là, jamais j'arrive à. Ah, attends. Il y a un truc que j'ai pesé. En vrai, si je fais un truc comme ça, que je me mets de l'autre côté. Non, je peux pas faire ça. Il y a un coffre de l'autre côté, il me le faut. L'île de Wa. L'île de Wa? Wano? Non, ça n'a rien à voir avec Wano. Non, l'île de Zo, vous savez. C'est le temple d'Atropos. Ah, voilà, ça c'est une réponse. Mais je sais pas comment faire. Je sais pas comment faire. C'est beaucoup trop lent. C'est beaucoup trop lent. Il faut que je ramène un objet. Mais je vois pas quoi. À l'aide. Début de jeu, les Kazma. Compliqué. C'est pas ce que je cherche, mais c'est stylé. Peut-être que si je les pète tous. Non, ça me paraît un peu chelou. Y a pas une caisse ou juste un truc à bouger quelque part? Un bouton? Attends, y avait quoi en dessous avant? Oh bah alors.
Début d'aventure, on est Keblo, bof. Là, je vois pas trop. S'il y a des personnes qui connaissent le jeu, hésitez pas, hein, parce que j'ai l'impression que c'est un truc très très bête, comme toujours. Hein. Tu peux pas activer le levier d'en bas et revenir avant que ça monte? Ah, l'ascenseur? Non, parce qu'en fait, quand t'actives l'ascenseur, t'es Keblo, tu peux pas bouger. À côté de la manivelle, il y a comme une base de statue. Je pense que tu peux la tirer. Hein? À côté de la manivelle, il y a une base de statue. Ça, là? Non, c'est pas une base de statue. Ah, attends, il y a peut-être ça. Ouais. J'ai pas un pouvoir de dash, on est d'accord? Attends. J'ai un arc. Il n'y aurait pas une cible sur laquelle il faut tirer par hasard. Hein, peut-être un truc que j'ai pas vu. La porte de derrière, elle est super lente. Mais alors pourquoi la porte de devant, elle est super rapide? Attends. Réfléchir à un truc, hein. Je suis en train de réfléchir. Non, non, non. J'allais dire peut-être qu'elle est obligée de faire son cycle ouverture totale puis fermeture. Il y a un cadavre pendu à prendre. Attends, non, c'est vraiment ça? Mais attends, mais je les éclate depuis tout à l'heure. Attends, les squelettes qui sont en haut que j'éclatais pour le plaisir là? Il fallait vraiment en prendre un? Non. Mais du coup, je dois prendre lequel? Ah, oh, il y en a un qui est différent. Oh. J'avais dit qu'il y avait un truc. J'avais dit. Ok, bon, on a trouvé. Bien joué. Merci beaucoup. Eh ben. Moi, je m'amusais à les éclater pour le plaisir et j'ai arrêté, si tu veux, au bout d'un moment. Ok. Lol, c'est le cadavre du gamin dans Shadow of the Colossus. Le multivers s'étend. Fallait le savoir. Bon, ça va, c'était pas trop dur, mais bon. Quelque chose me dit qu'il va y avoir des systèmes à base d'énigmes de genre dans tout le jeu. Et qu'à mon avis, ça va cacher des trésors à l'infini, cette histoire. Ok. Et là, on arrive à voir des choses. Let's go. Allez, ça le fait. Ça le fait. Ça passe! Bonjour! Ça sent la fight. Genre, y'a pas de fight. Oh! Oh! On va voir de la végétation dans le 2, trop cool. J'aime beaucoup les décors du deuxième jeu. Moins d'Athéna. Moins d'Athènes, mais plus de. Ouais, plus de variantes en fait. En vrai, non, le premier était très très cool avec le temple de Pandore. Mais là, il y a un côté plus divin, en fait. Pourquoi m'aides-tu, Gaïa? Il faut arrêter Zeus, Kratos. Cette histoire de vengeance a déjà été contée avant. Tu connais le puissant titan Cronos. Cronos craignait tellement la prédiction de l'oracle, disant que ses enfants se soulèveraient contre lui, qu'il décida de les emprisonner, tous dans son ventre. Rhea ne bougea pas et elle regarda ses enfants se faire dévorer un par un. Mais lorsque ce fut au tour du dernier d'être avalé, elle ne put supporter l'idée de voir disparaître sa progéniture et trouva un subterfuge pour sauver Zeus, alors bébé. Rhea ordonna à l'aigle de dissimuler son fils. Il fut emporté sur une île lointaine, à l'abri du regard perçant de Cronos.
C'est moi qui me suis occupée de l'enfant. Et c'est moi qui l'ai protégé. J'ai moi-même nourri son désir de libérer ses frères et sœurs des griffes de Chronos. Mais ma compassion irréfléchie devait hanter mes frères titans pour l'éternité. Car en sauvant Zeus, nous lui permettions de revenir le cœur empli de vengeance. Il a trahi tous les titans pour se venger des fautes qu'un seul avait commis. Les fautes de son père, Chronos. Eh ben, ce flow. Alors, avant d'avoir ce flow, il était très 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 kiki le bébé de Zeus là. Oh là 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 là, on aime hein. Mais moi plus que ça, ce qui m'a fait trop rire, c'est Chronos. C'est Chronos, c'est quoi ce Chronos des années 70? Vous avez vu les pattes qu'il avait là? Et les poils qu'il avait là? Ma. Se sont croisés en discothèque hein. Avec Rhea, incroyable. Incroyable. Zeus, il était fabuleux. Quand il était adulte. Ah non. T'as un Chronos taillé hein. C'est pas celui qu'on a vu dans le premier hein. Celui qui était à quatre pattes hein, et qui cherchait ses dents au sol. Oh non. Oh non les gars. Oh non. Oh ça y est, les voilà. Bon bah c'est Cerber. Enfin c'est les bébés chiens. On connaît les bébés chiens hein. Alors je rappelle la strat, en gros on s'occupe des bébés parce qu'ils vont grandir. Bouillard. Alors si on peut avoir affaire à plusieurs gros chiens. Allez. Par contre le temps de s'en faire un, bon. Nique toi. Bouillard. Niquez-vous. Allez. Allez. À mort le gros chien. Bah. Attends, est-ce que c'est toujours deux finish him? Bah, je crois que c'est trois cette fois. Je crois que c'est trois parce qu'il reste encore une tête. Hein. Oh le salaud. Après, il est aussi plus facile, hein, l'impression. Allez! Ça va. Heureusement qu'on a eu l'occasion de se chauffer. Hein. J'ai l'impression que God of War 1, c'était quand même genre une espèce de gros échauffement. Ou limite le prologue en fait aux deux. Viens là. Bleh! Là, il roule là. Là, et voilà. Il fallait pas mordre son maître. Oh. Ok. Nya. C'est bon. Bien. Youh. Premier et dernier avertissement. Ah, tout sauf ça. Non, en vrai, ça va. En vrai, ça va. Au niveau du fight en lui-même, je suis un peu d'accord avec les gens qui en parlaient, mais le 2 passe mieux, je trouve, en fait. C'est plus souple. C'est sur des détails, hein, mais ça se sent. Ok. Et j'ai pas encore vraiment de magie de combat, donc j'espère qu'on va vite pouvoir faire la différence. Non, parce que l'arc, c'est bien, hein, mais en combat réel, bon, pas terrible, si tu veux. Des statues. Des statues qui donnent des sous. Let's go. De toute façon, go augmenter les lames d'Athéna. Hein. Ah, tiens. Qu'est-ce qu'on a trouvé? Ouais, un support. Est-ce que ce serait pas pour grapper à gauche? Ouais, c'est ça. Alors, attends. Ah, mais là aussi. Ah non. Bon, j'ai rien dit. Bouya. On veut un Shazam. Je pense qu'on l'aura plus, le Shazam. Pour moi, le pouvoir des dieux du 1, on va plus les avoir. Non, mais vraiment, genre Poséidon, Hadès, bon bah Zeus, déjà c'est niqué. La seule chose qui va nous rester du premier jeu, bah c'est pas grand chose en fait, parce que même les lames, c'est plus les lames du chaos. Bon après, mon oeil. Hein. À un moment, on les récupère si tu veux. Hein. Scénaristiquement, le jeu va se mettre d'accord avec nous. Hein. On veut les lames du chaos et on aura les lames du chaos si tu veux. On a le pouvoir Ecce Bestial, donc c'est l'âme du chaos ou rien. Bouillard. Allez, deux chops et puis s'en vont. Tu te chutes. Je t'ai vu, hein. T'as commencé à baver, c'est que tu vas muter. Non, c'est bon. Mais, ouais, non, en termes de pouvoir divin, j'ai l'impression que dans le 2, c'est plutôt les titans qui sont de ton côté, en fait. Oui, ok, pourquoi pas. Carrément, même. Carrément. Mais en tout cas, il nous faut un équivalent au Shazam. Il nous faut un équivalent au pouvoir
capable de taper tout autour de nous en fait. Ou même l'armée de d'Hadès. L'armée d'Hadès, c'était incroyable. C'est par où la suite? Tiens, tiens. Attends. Par là, c'est demi-tour. Attends, c'est où la suite? C'est ça la suite? Waouh! Ah oui, il faut voir. Ok. Eh ben, on y va. Ok. Stylé. Bien, 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 bien. Dans la mythologie, la Raya remplace Zeus par des pierres que Cronos va manger. Ah, d'accord. Ok, donc ça on prend. Moi encore une fois, très surpris de savoir que Kratos a existé pour de vrai dans la mythologie. Ça a très très fort, ça a très très fort. Le fait d'avoir détourné ça pour en faire un héros de jeu vidéo qui n'avait rien à voir avec ce qu'on lui connaît. On rappelle, hein, Kratos qui signifie puissance, c'est ça, hein. Puissance, volonté, genre courage, on y va, hein, on donne tout, hein. Bouya. Allez, on se bouge. Ok. Ça, ça dégage. Il n'y avait pas d'autre chemin, hein, je crois pas, hein. J'ai pas vu. Nya. Bouya. Allez. Voilà. Tant qu'on peut, on go. Ouais, à part pour ce qui est scripté, j'ai l'impression qu'en termes de combat, de manière globale, ça va mieux se passer. Bonjour. Oh, c'est stylé. Oh, c'est stylé. Pardon, excusez-moi, j'avais pas vu, il y avait des chiens. Venez là. Allez, ça dégage. Les chiens d'abord, les chiens. Chope le chien! Nya! De toute façon, les archers ne savent pas viser. Allez, sashimi! Merde, attends, sashimi! Oui, pardon, c'est rond, j'ai pas le réflexe. Oh merde! Allez! Technique du chef et chemest! Léo, couteau de cuisine, le retour! Ok, let's go. Pardon, pardon, je crame, je crame. Thermostat 8, si tu veux. On avait oublié d'éteindre le four. Let's go. Ok. Je me demande, il y avait pas un truc en dessous? Là, si je tombe, c'est la mort. Je pense que si je tombe, c'est la mort. N'hésitez pas à venir, hein, pour les personnes qui connaissent le jeu. Si jamais on passe à côté de trucs importants, si au maximum on peut récupérer des trucs, ce serait nice. Mon objectif, c'est pas de faire un 100% à chaque fois, mais c'est de... de bien faire l'aventure. Puis j'ai aussi envie de profiter, hein. Moi j'ai bien kiffé le premier. Hein. Nya. D'ailleurs avec du recul, j'ai vraiment bien kiffé le premier. Hein. C'est dommage pour la fin, mais... mais sinon, monstrueux, hein. Merde, merde, merde. Attends, attends. Attends, attends. Je quince. Ah, puis quand t'es engagé dans ton combo, c'est fini, hein. Oh mon dieu, je vais mourir. Je vais mourir. J'aurais dû prendre la vie. J'aurais dû prendre la vie. Ah 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 ah. Ah, c'est le nombre. Non mais j'ai mal joué. J'ai mal joué parce qu'en fait la shop te rend pas invulnérable. Donc si tu veux, j'ai joué et j'ai perdu. J'aurais dû prendre la vie, j'ai pris la mana. Mais en fait par réflexe, dans le premier jeu je prenais toujours la mana quand je pouvais. Et en fait j'ai pas de pouvoir. Donc là la mana, idée de merde en fait. Merde, non 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 non. Ah, je confonds les boutons. Non. Cours Amsterix, cours. J'aurai jamais l'occasion. Je vais mourir. Je vais mourir. Attends, c'est quoi la touche? C'est quoi la touche? C'est ça. Ok. Ok, non, c'est chiant. C'est chiant. En fait, dans God of War 1, quand tu augmentais tes lames du chaos, la première technique que tu obtenais, c'était L1 plus carré. Et la dernière que tu obtenais, c'était L1 plus rond. Et entre les deux, tu avais L1 plus triangle. Là, ils ont inversé les choses. C'est-à-dire qu'avec les lames d'Athéna, la première technique que tu obtiens, c'est la dernière que tu obtenais avec les L1 plus... enfin, la dernière des lames du chaos. C'est-à-dire qu'en gros, c'est L1 plus rond. J'ai pas le réflexe. J'ai pas le réflexe du tout en termes de touche. En fait, c'est le même jeu, mais pas les mêmes combinaisons. Donc, il y a des choses qui passent pas.
Pourtant c'est des ennemis random hein, genre à part le nombre là y a pas grand chose hein. On va faire les archers en premier. Ah c'est un réflexe hein. Parce que là voilà, en fait à chaque fois que vous me voyez taper un fixe, c'est que j'essaye de faire ma technique qui en fait c'est pas les bonnes touches quoi. On peut aller là. Enfin on peut y retourner, trop cool. Attends, si j'avais su je serais venu me défendre ici. Nique toi Zeus, énorme sec. Ah bah c'est Zeus in shape hein. Il s'est totalement inspiré des vidéos hein. C'est Zeus in shape hein. Zeus in shape contre Kratos et Chebest. Le lore s'étend. Mais le pire c'est qu'ils ont fait une vidéo tous les deux ensemble je crois. J'ai pas regardé mais il m'a semblé l'avoir la vidéo passée sur le fil d'actu YouTube. Ouais, ça sent la salle de l'épreuve. Ouh, c'est nouveau ça. Oh là là. Oh là là. Oui, non, ça fait peur. Ça fait vraiment peur. Peux te choper? Peux pas te choper. Tu fais peur, madame. Tu fais peur. Ok. Câlin d'amour. Ah ouais. Ah ouais, ça va en graille du vase. Ah. D'accord, tu l'as à peine fêlé. On est là. On l'a à peine fêlé, on est là. Ok, je sais ce que c'est. C'est pas les espèces de sorcières du désert là. C'est la même chose hein. Ah, c'est pas ouf. Ah, c'est pas ouf. Allez. Esquive. Purée. Quand je fais mon combo, je peux pas en sortir en fait. Genre je peux pas roulade, bouclier, te protéger, te barrer quoi. Non. Ah, énorme et sourd. Allez. Let's go, moins une. Allez, câlin. Tête Kratos, tête. Comme ça. Tête. Attends, il y en avait une là. Elle est où? Ah, d'accord, j'ai eu les deux. Allez Kratos. Il faut têter. My. On est bien. Allons-y. Ouh. Ok. Elle est fan celle-là. Si c'est des sirènes, il est où, Polochon? Elle est incroyable celle-là. Elle est bonne. Elle est bonne. Ah, j'adore. Ah, celle-là, elle est bonne. Ah, celle-là, elle est géniale. S'il y a des sirènes, allez où, Polochon? Ah, j'adore. J'adore. Par contre, elles me mettent mal. Hein. Elles me mettent très mal. Hein. Va vraiment falloir qu'on augmente les larmes. On a combien de sous, là? On a 3600. D'ailleurs, vous remarquerez que j'ai dit dans le premier jeu que le concept des niveaux servait pas à grand-chose. Vous savez, quand une barre se remplissait, on avait un chiffre à côté. Ou un nombre, quand ça allait assez loin, on pouvait aller jusqu'à 30, je crois. Et j'avais dit, ouais, mais c'est débile, genre, t'arrives vraiment pas à savoir où t'en es au niveau de tes orbes. Et là, là, ils ont compris. Là, ils ont mis directement les orbes, en fait. Tout ce qui avait un petit problème pour moi dans le premier jeu a été corrigé dans le second. Il me faut 5000 orbes. Ok. Donc, on repasse dans 1400 orbes. Alors, attends. Oula. Ok, trop cool. Ah dada, sur un cannabis géant. Oula. Ah ouais. Un remake de God of War 1 et 2, ce serait dantesque. C'est dommage parce que je pense qu'ils le feront jamais pour les DLC. Parce que si vous voulez, c'est des... pas les DLC, pardon, les jeux PSP. Mais ouais, non, ça aurait été trop bien. À la limite, ouais, en forme de DLC, tu sais quoi. Oh là là, le coursier du temps. Eh ben, ça c'est du popotin de coursier du temps. Hein. Ah oui, l'allure spatiale, l'allure capable de traverser les époques. File comme le temps, Calvis.
Ok. Très bien. Si je les chevauche, je pète mon crâne. Ça va être trop bien. Le premier pouvait pas être parfait. Ah mais bien sûr, bien sûr. Souvent t'as un premier jet puis après t'améliores la formule. Mais non non, le premier était très 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 cool. Mais en fait il avait des défauts évidents qui forcément ont pris un coup dur aujourd'hui. Trop. Beaucoup trop. Donc on est sur celui qu'on va appeler Cannabis 2. D'accord. Alors il faut la clé du palefrenier. Nya. La clé du palefrenier. D'accord. Ok. Ça me fait penser bah, dans God of War 4 du coup que j'ai fait avant cela parce que je les découvre. Vous savez, il y avait un moment où on était bah, en plein milieu de la map, dans un lac, et on était sur une structure, et en fait ça me rappelle beaucoup ça. Oula! Qui es-tu? C'est qui lui? Oh! C'est Hercule! Dis-moi c'est Hercule! Le fameux fantôme de Sparte. Alors, ce qu'ils disent est vrai. Thésée. J'ai vu bien des fous tenter leur chance, mais je dois avouer que tu es celui qui me surprend le plus en demandant une audience avec les trois sœurs du destin. Et je n'aurais jamais cru que tu deviendrais le serviteur des sœurs du destin. Je sers et je protège les trois sœurs du destin pour la gloire du Père des cieux, Zeus. L'ère de Zeus touche désormais à sa fin. Si je comprends bien, tu veux que les sœurs du destin tuent Zeus. Je te rappelle que tu ne possèdes même plus le pouvoir des dieux, mon cher Kratos. Je doute que tu sois capable de me tuer, moi, et tu voudrais t'en prendre au roi de l'Olympe. Laisse-moi passer, et j'épargnerai ta vie, vieillard. Malheureusement, je crois que cette décision ne dépend pas de toi. Approche. Nous allons enfin savoir qui de nous deux peut se targuer d'être le plus redoutable guerrier de toute la Grèce. D'accord. C'est aisé. Rien à voir avec Hercule du coup. Mais oui, oui, j'avais un doute. J'avais un doute et le chat me l'a encore souligné. Oui, c'est ça. Hein. Il a vaincu le Minotaure. Hein. Mais du coup, est-ce qu'on dit que nous, on a vaincu le Mecha Minotaure? Donc techniquement, on est plus balèze. Ah, on est plus mieux que toi. Par contre, le délire de pas avoir de lock encore, ça va être chiant. Tant qu'il attaque pas à distance, ça va. Ah, c'était pas... Hein, j'ai pas eu le temps de capter qu'il y avait un QTE. Nya. Ce combo, il est bien, mais pas contre un boss, vu que c'est pas esquivable. Ah. Nya. Putain, j'ai pas mes gros combos. J'ai pas mes gros combos, j'essaye de faire des vraies techniques, hein. Mais ça veut pas. Nya, nya, nya. Oh oh, ça sert à rien. J'ai noté. Titan Mentos, tu pues la merde. Ah, ah. Tes pouvoirs ne m'aident pas. Yeah. J'ai essayé le souffle glacial, ça marche pas. Nya. Ok. Nya. Aïe, 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 aïe. J'aurais pu l'esquive. Ok, 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 ok. Un coup de temps en temps. Un coup de temps en temps. Ok, deux coups. Youh. Nya, nya. Allez, viens, viens. Par contre, y a pas un délire comme quoi Thésée, il a une espèce de toison d'or, elle est où? Ok. En fait, il m'a surtout fait penser à Hercule parce que Thor, en fait. Thor. Voilà, j'en dirai pas plus. Ok. Ok, 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 ok. Après, en même temps, j'avoue que si ça avait été Hercule, ça aurait été Dwayne Johnson, si tu veux. Nya, nya, nya. Allez, viens. On tient sur la durée. On tient sur la durée. Wouh. Oh, oh. Non, 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 pas de phase 2. Pas de phase 2. Ah. Pas de phase 2, j'ai pas de vie. Tu veux quoi? Oh merde, oh merde, oh merde. Non, 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 non. Tu peux du cul.
Fils à papa de merde! Non, attends, je dis ça, mais Thésée, c'est pas un dieu, si? J'ai un doute. Thésée, est-ce que c'est un dieu? Ah! Nya! Putain, je le tiens avec 2 PV depuis une heure. À l'aide! Ok. Non, 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 non. Ok, tant qu'il me sort pas une phase 3, ça va. Il recommence, on fuit. Non, non, non. Et mercredi, putain, je me suis fait avoir de la même manière tout à l'heure. Super, j'ai 0,5 PV, on est bien. On rappelle que l'arc de typhon ne sert à rien. Ok. Je vais être dégoûté. Dommage, 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 dommage. Allez, 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 allez. Faut qu'on frappe. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Change pas, change pas de phase. Change pas de phase. Je suis un peu deck parce que je l'ai compris assez vite. Et en fait juste bah je vais pas avoir de PV pour assumer la fin quoi, je le sens. Allez. Ok. Allez bien. On en finit. Oh oh. Ok. Thésée est un héros grec. Non mais ça je sais. Mais genre c'est pas un dieu, c'est juste voilà, il a fait des trucs de ouf. C'est tout. C'était ça ma question. Oh putain, oh putain, j'ai cru que j'avais bouffé. Allez, allez, allez. Wouh. J'ai un cancer comme Heisenberg, mais on le tient hein. Oh la vache, oh la vache. Par le pouvoir de boule de billard. Oh mon dieu. Oh mon dieu. Oh, oh purée, oh purée. Ah ah ah. Voilà, c'est ça qui m'a eu tout à l'heure. Deux fois. On tient avec 0,5 PV. Purée. Heureusement que les lames ont de la portée hein. Non. Voilà. Et heureusement qu'il pue la merde en termes de combo aussi. Vas-y, viens. 1, 2 et 3. Bam, bam, bam. Ok. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? L'ami. Oh non, 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 non. Purée, mais c'est quoi ce combat de la longueur? Alors, le projet, c'est quoi, là? Non, tu te fous de moi. Non, tu vas me dire le combat il commence maintenant, c'est ça? Ah! Le combat il commence là. Ok, 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 ok. Pardon, pardon. J'ai voulu essayer le caricat et triant. Oh! Mais est-ce que je peux me gratter le nez? 30 secondes. C'est bon, on y va. C'est maintenant. C'est là. On a fait quelques parties d'essai. C'est maintenant. J'avais oublié le troisième coup. Je vais aller trop vite. Je vais aller beaucoup trop vite. Bouge! Il m'a coincé! Hein? Je croyais qu'on était en phase 2. J'allais dire déjà. N'empêche, dites-vous que si on l'avait vaincu plus tôt, ça aurait même pas été enregistré, hein. À cause de mon disque plein, donc les dieux sont avec nous! Après, avec les minotaures. Ah oui, les minotaures!
Mais le Minotaure, pareil, trop lent. En fait, le problème de ces combos-là, c'est que c'est trop lent. Je pourrais essayer de les envoyer en l'air, mais... c'est des combos à maîtriser à la seconde pour pouvoir leur permettre... de s'envoler sans prendre trop de coups. Ok. Non, non, mais j'avais ma technique avec les Minotaures. Hein. J'avais ma technique. C'est pas les Minotaures qui m'ont tué. Hein. C'est les pics. Parce que les pics, ils font énormément de dégâts. Et en vrai, je l'ai cherché. Hein, parce que là où je suis mort, franchement... j'aurais pu l'esquiver. Hein. J'ai été gourmand. La folie grandeur. Merde, je l'ai fait à l'envers. Ah là là, le réflexe sur ce QTE là, par contre, on l'a pas. Hein. Allez, c'est la bonne, on y croit. Je pense qu'on a bien travaillé le sujet. Bam. Maintenant, il est temps de passer à l'interro final. C'est bon, je le connais par cœur, cet exercice. C'est bon. Ok, étape 3. Il a la folie des mercredis. Il a pas la folie des mercredis, hein, la folie des grandeurs. Ah. Après, si vous partez du principe que mercredi rime avec grandeur, c'est un autre problème. Ah. Non. Ah, mon dieu. Les exercices de maths. J'avais oublié qu'il existait encore, lui, là-haut. Connard. Hé, culé. Oh, oh. Bouya. Je sais pas s'il prend les coups à chaque fois. Non. Allez. C'est celle-ci ou rien. Maintenant, on arrive à atteindre cette phase-là à chaque fois. La phase 4, on l'a atteint une seule fois. Non, je suis deg. Je l'ai pas tué comme je voulais. C'est pas grave. Ok. J'ai peut-être assez de mana pour le faire passer direct en phase 4. Ok. Rien de farfelu, hein. Juste long. Voilà, phase 4. On y va. Ah oui, d'accord. Donc il s'est dit, viens, on mêle les techniques d'avant et les problèmes d'après. Les Minotaures, ils sont en train de se droiter entre eux, hein, tout va bien. Heureusement, ils ont été fair play. Hein. Ils ont attendu. Ouch. Je l'ai vu arriver. Ah. Allez. Je l'ai pré-shot. C'est là, hein. Si c'est pas cette version là qui win, je sais pas, hein. Oh, oh. Là. Vas-y. Voilà le coup de boule, excusez-moi. Allez. Phew. Maintenant. Non. Hé, hey, salaud. Les techniques là, oh. On y est, hein. C'est à peine plus dur que la phase 3, hein. C'est comme la phase 1 et 2 en fait. Ça fait juste plus d'artifice. Oh. Allez. Et 2-1. Mercredi. Arrête de me frapper, toi, là-haut. Aïe. Les erreurs bêtes du joueur français. Les erreurs bêtes du joueur français, j'ai dit. Chope-le. Maintenant. La mana. Clap. La mana. Clap. La mana. Et la vie. Wistiti. C'est maintenant. Oh oui. Un. Ok, d'accord. Fallait juste appuyer sur rond. Moulinage.
Tu es mort, chacal! Ça va les couillages! Ah oui! Ah, c'était génial! Mais quoi? On l'a vaincu avec une porte! Mais oui! Ok. Victoire incroyable. Ah, j'ai trop aimé. Ah, j'ai trop aimé. Non, au bout du compte, il était bien ce boss, hein. Il était tendu au début parce que c'était un boss où j'arrivais pas vraiment à caler les coups. Et au bout du compte, on l'a travaillé. Je sais plus vraiment combien d'essais on a mis YouTube, mais quelques-uns quand même. Hein. Et heureusement qu'on l'a pas one shot parce que j'avais oublié de vider mon disque. Donc en fait, on aurait perdu le rec presque. Donc ça aurait été un petit peu chiant. Non mais je suis content. Un boss efficace, taisé bien cool. Par contre, un boss de l'endurance. Hein. En vrai, un boss sur la longueur. Hein. Yes! Et messieurs, dames, on obtient plus de vie, let's go! Victoire incroyable du joueur franco-français, gaulois grec. Appelé aussi le FFGG ou le FGFG. Je ne sais pas. Bref, Etchebest win par le pouvoir d'Heisenberg et du cancer fatal. Alors attends, du coup, on a gardé son gantelet là, mais il nous sert à quoi son gantelet? Il sert à ouvrir les portes, c'est ça? Parce que du coup, moi je suis curieux d'un truc. Je regarde un peu tout ce qu'il y a autour, parce que je crois qu'on était arrivé par la tyrolienne. Donc je suis en train de me dire que. Il y avait quoi ici? Il y avait rien d'autre. D'accord, c'est pas grave, il fallait que je sache. Mais ouais, on l'a bien géré, hein, parce qu'on a toute notre vie, toute notre mana, la colère au max. Si tu veux, voilà. Là, on est bon. Là, on a mené le game, hein. Ah là 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 là. Allez. C'est long. C'est long. Ça m'a foutu un doute, c'était trop long. J'ai une question. 3889. Ok, on n'a pas encore de quoi améliorer les lames d'Athéna. Il faut qu'on améliore Athéna. Un boss sur la longueur éternelle. Non, ça va. Mais dans God of War, tout est une question de maîtrise, en fait. Parce qu'en soi, on avait eu la même dans le 1 avec le Minotaur, hein. Chronos a donné les coursiers aux sœurs pour tenter de changer son destin. Son destin à qui? À Chronos? Ok. C'est fait exactement de la même manière que la structure du 4. Ou plutôt le 4 a totalement repris les codes de ce qu'il avait fait dans la mythologie grecque. Hein. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, oui, clairement, clairement. Ah mais au moins, c'est bien, on n'est pas dépaysé, hein. Si vous, comme moi, vous découvrez la licence à l'envers, let's go. Et pour ceux qui continuent de me demander, parce que oui, on continue de me demander alors que je le dis tout le temps, on fera les épisodes PSP, vous inquiétez pas, c'est prévu. Et de l'autre côté... Il y a un truc à récupérer de l'autre côté? Il n'y a rien à récupérer de l'autre côté. Très bien. Nya. On va bientôt arrêter pour cet épisode. On cherche l'endroit parfait pour ça. Nyaha. Et du coup, normalement, maintenant, je peux ouvrir la porte qu'il y avait juste ici. Ouais, c'est ça, let's go. Mais Thésée, il est mort, là? Dans God of War, t'as des boss cheatés. Et t'as des coups qui te font rire d'une puissance infinie. Et bah, à voir, hein. À voir. J'avais trop aimé la fight avec le Minotaur dans le premier. Arès éclaté au sol, encore une fois, c'est mon avis, mais... catastrophique, mais par contre le Minotaur monstrueux. Ok. Alors, qu'est-ce qui va se passer? J'ai peur. Ça va bouger. Thank you.
pitié, dis-moi que c'est un équivalent au geyser, s'il te plaît. Vous avez obtenu le Kourou de Chronos. On aime la foudre hein, dans la mythologie grecque. L2, voyons voir. Permet de frapper l'ennemi, vous pouvez en placer 3 à la fois. 3 à la fois, c'est-à-dire. Hein ? C'est des mines ? Oh, c'est des mines ! Incroyable ! Oh, c'est des mines ! Excellent ! Alors, attends. Ah, mais ok. Pardon. Ça fait une heure, j'essaie de les choper, mais en fait, on peut pas ! Niquez-vous ! Ok. Ouais, du coup, c'est validé, hein. C'est les titans qui vont nous fournir les capacités, hein. Ah, c'est marrant, ça. God of War 1, les dieux d'Olympe. God of War 2, les titans. God of War 3, les primordiaux. Je sais pas. Non, mais pourquoi pas, en vrai. Pourquoi pas. Quoique, attends, Chronos, c'est un primordial, je crois. Gaïa, c'est une primordiale. Chaos, c'est un primordial. Mais attends, parce que Gaïa, elle est présentée comme un titan, là, dans ce jeu-là. God of War 3, tu verras. Mais bien sûr qu'on verra, mais... curiosité, si tu veux. On fait des théories. Mais c'est très très cool, hein. Ok. Bon, alors, on a un premier pouvoir. C'est pas forcément mon préféré, par contre. Hein. Juste, est-ce qu'il y aurait pas... Est-ce qu'il y aurait pas un coffre de vie quelque part qu'on évite de mourir trop rapidement, si tu vois ce que je veux dire. Allez, plume de phénix, on y croit. Plume de phénix. Il y a Gaïa et Uranos qui sont les primordiaux, si je me trompe pas. Oui, Uranos, oui. Uranos pour les mers et les océans. Pour tout ce qui est lié à l'eau, je crois. Chaos, bah pour le chaos. Et on a. C'est tout. Je voulais retourner chercher de la vie, mais en fait, on peut pas. Dommage. Et on a. Mais Chronos, je crois, non? Chronos, il est pas dans les primordiaux? Ouais, le Shazam était mieux. Le Shazam, c'était différent. Après, peut-être qu'en améliorant la capacité qu'on vient d'avoir, là, le Kourou de Chronos, il y a moyen ça devienne badass. Hein. Il y a moyen. Hein. Bon, messieurs, dames, on va couper ici pour cet épisode 2. En espérant encore une fois que ça vous ait plu. Ah, attendez, peut-être que... Non, j'ai pas assez. Il me fallait combien? Ouais, il me manque encore presque 700 points pour augmenter les lames au niveau 3. Et bah, ce sera dans l'épisode prochain. YouTube, je te remercie pour tout, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite pour beauté du cul de Dieu. Allez, des bisous!